Donc salut tout le monde et bienvenue pour cette découverte de Pixelerie 1989. J'avais découvert il y a très très longtemps, je sais plus si c'était au DK1 ou au DK2, la démo du jeu. Donc le but c'était voilà un délire, encore que là c'est encore plus bizarre, là ça fait un peu Game Boy. C'était un peu de revivre notre enfance quand on est né dans fin 80, début 90 en gros. Là c'est 89, c'est encore plus vieux. L'autre 95 c'était période Super NES, Mega Drive. Donc, c'est quoi? Ah là j'ai un jeu là. Donc j'ai une manette. Ouais, il est vraiment... je sais pas à quoi il joue, mais même pour 89. B to run, non. Ah ouais, d'accord, moi je faisais avec la gâchette, si on veut. Mion. Wow. Ah. Je sais pas ce que le jeu vidéo. Breaking news. Notre pierre chérie a été volée. Des images de sécurité montrent un gobelin suspicieux introduisant. Je le sens trop fort. Alors, cette armée marche vers la ville. C'est le chaos, les bits et les pixels sont éparpillés. Nous devons appeler le gardien de la pixel, Doc, le gardien de la pierre du pixel. C'est la seule, c'est ça? She's on your own. Là, ça manque là, comme dans Mega Drive 2. Ouais. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qu'ils ont attaqué, pourquoi? Il a une tête. Qui était mon père? Dot, on a besoin de ton aide. La pierre de pixel a été volée. Le temps est venu d'utiliser ton pouvoir. Mais en premier, tu dois trouver un joueur badass qui veut joindre ses forces avec toi. Let's see. J'ai trouvé Nicolas. C'est une fille de 9 ans à Londres. Oh non, elle est à l'école en ce moment. Mais on n'a pas de temps à perdre. Peut-être que ça va revenir sur la démo. Vous play the game with... The Gear Kid, ah c'est comme la Game Boy, ben là c'est Gear Kid, centre de bœuf. Let's start this upload. Donc là on va se retrouver en clash, je suppose. Ne t'inquiète pas. Non! Tu vas devenir le héros dont tu as besoin. Je m'envole vers la lumière. On va revenir en classe comme j'avais dans la démo. Pour 89, une console portable comme ça. Eh, quoique. Je sais pas, la Lynx et la. Oh merde, et la Game Gear. Et de là. Putain, j'ai. C'est une belle console, 4 boutons en plus, un écran aussi grand, ça fait pas très 89 ça, ça. Même 95 moyen quoi. Donc elle joue en classe, ouais. Ah, ils font le bordel. Laissez-moi jouer! Non! Je me suis défoncé la gueule. Et look at Openy. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Tu m'as jamais battre le Lord Sibling. Lord Sibling. Ah, c'est Megaman à ce coup. Je peux faire des shoots. Ok, ouais, mais il y a que A et B qui servent. Ils servent à quoi les deux boutons? C'est la Game Boy et la Gear Kino. Oh non, tu as perdu Pixel.
Lisa, il parle à côté, il me dérange. Collecte des pixels pour devenir plus fort. Et si vous venez me voir jouer, vous venez voir ma partie, regardez. Vous êtes un peu immense. Vous êtes sûr, vous avez une avant. Il y a des enfants. Non, ça, il y a la prof qui revient. Il y a la prof qui revient. Même les livres, ils semblent immenses. Tout semble immense. L'échelle, elle est pas terrible. Bon, ben, on s'en fout, du monde réel. Ah, d'un seul coup, ça devient Sonic. Ah, putain de merde. Elle me parle là, pas vraiment. Non, vous voyez pas, je fais des trucs plus importants, vous conneries. Non! Pourquoi? Angry teacher. Ah, d'accord, voilà. Et là, d'ailleurs, j'ai. Ne la laisse pas t'attraper, sinon c'est game over. Elle est où? Je la vois pas. Ma console, ça devient une arme. Use the spin to cause distraction. Ah. Ah, c'est un. Elle y va pas, ça va pas. Aïe. Peut-être que je tire sur un. Merde! Oh, c'est chaud, hein. Plus quand tu as l'écran sur la console. Plus du tout concentré sur le monde réel. Ah, j'ai manqué une pixel, c'est pareil, j'espère. C'est bon, on est toujours dans sa distraction. Eh ben. Ah, merde! Heureusement, c'est comme Sonic. Mais c'est... Non, non, je jouais pas. On va faire tomber le temps là. Hop! Bouge-toi, j'ai pas le temps! What is going on? Ta gueule! Non. Désolé, c'est pas toi que je vise. C'est n'importe quoi! Pas pourquoi il y a des joueurs de foot qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais faire quoi? Non mais je m'en fous de lui. Ah non! Ah merde! C'est chaud! J'ai l'impression qu'elle me voit pas jouer sur la. Ah si, merde. Non, non, c'est pas moi. Non, ne me confisque pas ma truc! Tiens, va voir là-bas! Diversion! Diversion! Merde! Allez, casse-toi! Alors là, j'ai me mettre à un coin save, voilà, c'est ça en fait. Non, on va faire revenir un joueur de fou, vivement il vient d'infini. Ah, c'est pas. Ah non, maintenant c'est Monsieur Monopoly. Qu'est-ce qu'il fout là? Oh, on se calme. Je t'en. Ah putain, j'arrive pas à sauter. Comme l'énorme est proche, tu peux le faire. Si tu te concentres sur le jeune, je sais pas quoi. Comment la Megaman? Ah, heureusement que le combat de bord, j'ai l'impression que j'ai plus à m'occuper de la vie. Ouais. Pourquoi combattre si tu ne peux m'attraper, un truc comme ça? Non, écoutez ma console. On va incarner une autre héritière du pouvoir. Du pixel. Pouvoir du pixel. Ça, c'est en couleur. Ah, il était en couleur, le moi, je me rappelais. Il me semble. Il me semble que c'était sur une Game Boy qu'on jouait. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes de droit de faire. C'était pas, j'arrivais pas à marquer Game Boy, mais elle ressemble énormément à une Game Boy.
Et là, je vais... Ah, le combat va prendre place dans le monde réel, je pense. Un peu à la Smash Bros. J'ai pensé à un niveau comme ça. On dirait un peu Megaman, d'ailleurs, le personnage. Megaman en string. String rose. Et merde! Ah la putain de moi, la con de moi. Ok, peut-être qu'à partir d'un certain nombre. You, Gret, ouais. Fais vite, on ferait bien de retourner vite à la civilisation. On se voit plus tard, grosse tête. C'est pas que la tête que j'ai, tout est énorme, tout est surdimensionné. Elle a de ses jambes, de ses cuisseaux. Et Pac-Man sur la table. Allez, on retourne. Faudrait que même son jeu il passe en couleur. Après qu'elle soit justement sur la Game Gear. Là, c'est des couleurs Game Boy. Mais la Game Gear ou même la Link, ça avait de la couleur. Game Boy Advance, c'est bien plus tard. Mais... Master, ok. Putain, quand tu t'approches, c'est fou. On dirait que je suis presbyte. Je suis myope, pas presbyte. Ouais, elle est dans la cour, mais elle a toujours la même console. Ouais, je vais garder le casque parce qu'on est dans le... Mais ouais, c'est bien sympa, mais à voir sur la durée et à voir le prix. Parce que si c'est pour avoir une trip console nostalgique comme ça, y a des émulateurs gratos maintenant. Qui te permettent de jouer à la Super NES, la NES, la Game Boy même, j'ai vu. Et c'est gratuit et tu as les films avec de vrais jeux au final, parce que là c'est des jeux un peu... Il est pas dégueu le jeu sur la console, mais bon, l'interaction entre le monde réel et la console est pas plus poussée que ça. Mais ouais, c'est un concept intéressant, j'ai toujours aimé les concepts intéressants, donc pourquoi pas, à voir comment ça se continue. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.